Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne perso Gaming Live pour un stream. Alors non pas sur Super Robot Tyson MX comme j'avais dit que je le ferais, hein, je suis désolé, mais là, cas particulier, on... cette chanson en japonais s'il vous plaît qui nous accueille. Donc oui, on va découvrir ce soir ensemble Chroma Squad. Un jeu qui vient de sortir aujourd'hui même sur Steam en version définitive a priori, hein, pas de version en accès anticipé ou quoi, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une version définitive, en fait j'ai même pas réellement bien vérifié. On va vérifier ça. On manque à tous ses devoirs. Ah non, c'est pas une version... une version accès anticipé, ma bite, tout ça, c'est bel et bien la version définitive. Donc Chroma Squad, qu'est-ce que c'est? C'est un concept très intéressant, puisqu'il s'agit d'un tactical RPG avec des Sentai, donc vous savez, ces personnages style Power Ranger, Bioman et compagnie. Donc mélange des genres très particulier. Donc c'est un jeu qui a d'abord été sur Kickstarter, hein, qui a réussi sa campagne Kickstarter en récoltant à peu près 97 000 $ de fonds, soit presque plus du double de la somme initialement demandée pour réussir la campagne, c'est-à-dire 55 000 $. D'ailleurs c'est dommage parce que le dernier palier qui demandait 110 000 $ permettrait de débloquer l'outil de création de niveau, tout ça, donc apparemment ça n'a pas été intégré, c'est dommage. Toujours est-il que est-ce que ça fait partie des nouvelles réussites du financement participatif ou est-ce que c'est juste un soufflet qui va rapidement retomber? On va découvrir ça. Alors j'ai pas du tout touché au jeu là, je l'ai juste téléchargé et c'est à peu près tout. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a à nous proposer ce jeu là. En tout cas, j'ai été directement ambiancé par le concept du truc, donc j'espère que ça va être sympa. Alors, donc le choix de la difficulté, donc casual, interesting, challenging. Voyons voir. Bon, on va tout simplement prendre en difficulté normale. Alors j'espère que le son est correctement réglé aussi, que vous entendez correctement le jeu sans que ça braille. Donc apparemment en plus c'est pas juste du Sentai classique, c'est aussi dans le délire, on tourne une série télévisée de Sentai. Ok. C'est... Les doubleurs doivent se manier le fion sur la scène. Hop là, sur le fond vert. Et où sont les sbires? Les sbires! Voilà des sbires! Oh, ça arrive de n'importe où! Bonsoir à ceux qui arrivent sur le chat. Hein. On découvre Chroma Squad ensemble, j'espère que ça va être sympa. Donc, ok. Donc, la scène est prête, les effets spéciaux arriveront plus tard, hein. C'est normal, la post-prod, tout ça. Se casser la gueule, ils s'en foutent de l'histoire. Il faut choisir les ennemis qu'on doit attaquer. Défoncer trois ennemis. Donc alors, le jeu a l'air de jouer entièrement à la souris. Hein. J'ai pas testé si on pouvait jouer à la manette. Non, ça a pas l'air de fonctionner avec la manette. En même temps, ça me semblait logique. Donc, on va attaquer celui-là. Hop, plaçons-nous ici. Ah oui, d'accord, ok, on le défonce direct. Oh là là, on est des putains de Sentai, hein. Putain de perso de Sentai. Bra. Allez, force rouge, avance. Oh, on peut même agir deux fois. Ah oui, non, ok, d'accord.
fait on a deux sortes de points, on a deux points d'action, il semblerait. Ça a pas l'air d'être clairement indiqué. Et donc c'est soit deux déplacements, soit un déplacement plus une attaque. Ok, donc les coups des ennemis nous repoussent. Donc ça à prendre en compte. Allez, force jaune, hein. Casse-lui la gueule. Hein. Ok, pas de soucis pour l'instant. Un peu buté plus de 3 ennemis. C'est l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu cette saison. Trop bien. Il dit tout le temps ça à chaque fois qu'on casse la gueule à des ennemis super facilement. Ah, il veut plus d'acrobatie, il veut ajouter des explosions et tout. Plus tard. Des attaques en équipe. Très bien. De nouveaux sbires. Alors, comment ça fonctionne? Teamwork. Ok. Ok. Donc alors là, lui il est en mode teamwork, donc peut-être qu'il faut aller sur lui, non? Je ne sais pas. Ou alors là. Ah d'accord. Ah ok. Ok, ok. Ok, en fait, ouais, le travail d'équipe, ça permet de d'augmenter la distance de déplacement des personnages. En utilisant nos compagnons comme tremplin. Intéressant. Oh là là, on a esquivé. On va retenter, hein. En fait, ça sert à rien là. Vu la disposition de l'ennemi, aucun intérêt à le faire. De toute façon, on a fait deux fois. Les acrobaties, donc c'est bon. Ok, donc la prochaine fois, il faut casser la gueule aux ennemis avec des attaques en équipe. Je vous fais confiance pour pas me faire mal, pour pas me blesser. Team attaque. Hein. Ah d'accord, ok. Il faut se mettre sur des cases adjacentes pour pouvoir déclencher une attaque en équipe. Ok. Normalement, si on se met là, on va le mettre comme ça. Donc là, si on fait ça, voilà, ok. Attaque en équipe. Et là. Pareil. Ok. Très bien. Un boss, mon dieu.
Donc ok, alors, rappelez-vous de faire des attaques en équipe, tout ça, il faut que ça pète, il faut que ça ait le swag. Ah, un finish move. Ce bioman bleu qui prend là une pose de breakdancer à chaque fois qu'il parle. Ok, donc on doit faire un finish move à 5. Pas comment on doit faire. Peut-être qu'il faut tous l'entourer. Se mettre en mode teamwork, Sama. On va tenter, hein. Chroma Power. Marrant ce jeu le jour de sortie de l'épisode des Cassos. Ah, parce qu'il y a un épisode des Cassos qui vient de sortir sur les Power Rangers ou un truc comme ça. Ah, c'est marrant, effectivement. Moi, je sais pas s'il y a un lien. Ce serait drôle. C'est marrant la web-série, les Cassos. Il y a des épisodes, c'est vraiment de bonnes barres. C'est pas toujours de très bonnes vannes, mais il y a quelques fois où ça vaut le détour. C'est de la merde, on n'a même pas eu un combat de robot géant. Ah bah je suis bien d'accord, hein. Pourquoi on n'a pas eu de combat de robot géant? Bah, les acteurs restent juste le cul vissé sur leur chaise. Et c'est les doublures qui font la plupart du tournage. Il en a marre de toujours faire les tournages dans le studio, il aimerait bien pouvoir faire des épisodes à l'extérieur, différents endroits. C'est vrai, où sont les décors désertiques qu'on voit dans tous les Sentai de l'univers? Pourquoi nous n'ouvrirons pas notre propre studio? Ah, c'est une trop bonne idée, mon gars! Démissionner de la série Super Ranger. On se casse, allez, salut. Et s'il vous plaît, arrêtez d'être aussi méchant avec vos employés. Ah, ils lui ont tellement mis une banane, là, au réalisateur. Bon, allez, salut, on se fait chier à bosser pour toi. On va aller créer notre propre studio de super-héros. Et laisser les costumes à l'entrée. Ok, très bien. Bonsoir, Eléré. Ils ont pas du tout laissé les costumes à l'entrée, ils se sont barrés avec comme des voleurs. Après quelques minutes, une idée aurait apparu. Alors mon oncle a un entrepôt pas loin d'ici, on pourrait l'utiliser. Ok, c'est un bon début. Juste ce dont on a besoin. Allons-y alors, c'est parti! Passer devant un gros robot là à l'entrée du magasin. Ah, tout le monde est vachement excité parce que l'entrepôt est super grand. Maintenant, il va falloir tirer profit de ce grand espace. Réfléchissons sur le placement des caméras. Ah, t'es pas du tout ambiancé, Léré, ouais, par le jeu. Ah bah,
Peut-être que tu seras plus ambiancé après l'avoir vu tourner durant le stream, hein, je sais pas. En tout cas, j'ai foncé dessus les yeux fermés, le concept était tellement fandard que je me suis dit que ça pouvait être une bonne pioche. Puis comme ça, ça me fait un jeu à proposer en stream. Ok, donc il y a un grand pylône au centre de l'entrepôt qui est couvert d'un drap dégueulasse. Personne ne savait ce qu'il y avait en dessous. Ah, mais c'est le réalisateur de tout à l'heure. Ah, oui, effectivement, donc on s'est barré avec ses costumes et il est pas content. Il veut les récupérer. Alors, un peu de droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est une réplique d'un truc utilisé dans les séries de super-héros américains. Donc ils viennent de le brancher et il y a un message super bruyant qui vient de sortir. Mon nom est Cérébro. Et voici un message d'exemple. Tapez le texte que vous voulez à l'arrière de l'appareil pour savoir ce que je dois dire. Waouh. Ah oui, parce qu'il y a toujours une espèce d'éminence grise ou un truc comme ça qui guide par exemple les Power Rangers là. Je peux commencer à s'appeler l'espèce de grosse tête flottante holographique dans la première série Power Rangers. Mais c'était exactement le même délire. Ils peuvent garder les fringues, maintenant je sais ce que j'ai envie de leur chouraver. Ah, le salaud. Je dois penser à un plan diabolique. Et je me casse en attendant. Ah, puis il court avec les bras ballants en arrière comme un ninja. Tout droit sorti de Naruto. Ah bah oui, Rabelais, hein, c'était garanti que je le fasse en stream. En plus, je tiens à remercier... un mec qui passe de temps en temps sur mes streams et qui m'a rappelé gentiment sur Steam que le jeu sortait bientôt parce que je l'avais complètement occulté de mon esprit. Et c'est pas bien parce que je l'attendais avec impatience. Oh là là. Donc maintenant qu'ils ont ce bocal appelé Cérébro, ils ont du matos là pour leur histoire. Et ça c'est cool parce qu'il faut quand même une histoire dans les séries de Sentai. Les fans vont adorer. Ok. Donc demain ils reviennent pour rénover l'entrepôt. Et commencer leur formidable aventure avec ce studio fraîchement formé. C'est fou. Ah, plus tard dans la journée, les vêtements ont été récupérés par l'ancien boss. Et après quelques semaines, un contrat fut signé. Ah, tout est prêt pour commencer à enregistrer des épisodes du Swag. Qu'un premier contrat. Faut enregistrer... C'est le final d'une saison après avoir enregistré 4 épisodes. 4 autres épisodes. Ok, et le contrat sera rompu si on a moins de 0 fans. Mais on peut pas avoir moins de 0 fans. Si, c'est possible d'avoir des chiffres négatifs. Bon, bah on va signer de toute façon. J'imagine qu'après on a le choix entre plusieurs contrats. Ah, donc alors, choisissons le nom du studio. Donc Mighty Inc, donc préférence directe à Mighty Morphin Power Ranger, j'imagine. On va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler bien entendu Gaming Live. Hein. Gaming Live.
Donc alors voilà, ça y est, on arrive dans la gestion du merdier, ça va devenir compliqué. Donc ok, on a nos 5 acteurs. Ah oui d'accord, ok. Donc là, ok. Donc en fait on va choisir quel acteur va être associé à chaque ranger. Donc le ranger rouge. Donc choisissons bien. Attention, là c'est la phase de managing, c'est très très important. Bah là je pense que tu viens d'avoir la réponse rabolée. Donc là on a juste eu une mini phase de tuto nous expliquant les quelques mécaniques basiques du système de combat, et après c'était tout de suite la petite scène où les rangers décidaient de se casser de leur boulot et de fonder leur propre boîte. C'est corpo, c'est bien. Bah oui, c'est bien. Alors, bon, bref, lisons un peu les fiches des personnages. Donc, Dudley, il a des skills de régène. Il peut faire plus 10% de coups critiques, moins 20% de vie. Il s'est fait entraîner dans les montagnes en Chine. Oh là là. Et il a tourné principalement dans des films de combat, d'arts martiaux. Ok. Evan Tyson. Donc il a moins de mouvement, mais il a plus de portée pour les figures acrobatiques. Ah oui, donc quand il sert de tremplin à quelqu'un d'autre. Plus 30% en attaque. Donc expert en boxe et en cassage de gueule de monstre. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Un mec déguisé en panda avec des lunettes. Moins de mouvement, pas mal de puissance d'attaque et de puissance d'attaque en équipe. Les pandas sont des créatures mignonnes qui passent leur temps à dormir. Même si des gens essayent de détruire la ville. Ah, c'est un... Ok, c'est un membre... Enfin, un baker de la page Kickstarter. Donc j'imagine que c'est un mec qui a mis énormément de pognon dans le projet. Qui s'est vu intégrer directement en tant que personnage jouable dans le jeu. Sympa. Donc là aussi, Michael Florian, c'est la même chose, c'est un baker. Donc, un leader et un mec qui sait résoudre des problèmes. Ok. Mission, cette référence à The Walking Dead. Une experte en survie, oui, c'est normal. Voilà, elle a déjà survécu à une horde de fans, hein, de fans zombies. Ok. Asimobot. Oh merde. Il n'est régi que par deux lois d'Asimov au lieu des trois lois de la robotique. Ah oui, évidemment, il faut respecter les codes, donc une meuf pour le Ranger Rose, un Black et un Chinois. Ryo Yoshi, oh là là. Un moine silencieux qui s'est entraîné pour bouger comme l'eau. Télémania, donc encore un backer. Ah, oh là. Il a moins d'esquive, moins de chances de contre, mais par contre, il booste les PV de notre mecha. Ah, c'est bien ça. Wesley Snipe. Wesley Snipe, ok. Il a de l'expérience dans les films de science-fiction et la cryogénie. Un alien, ok. Il vient de l'espace, super. Von Andy. Oh, plus 15% d'audience par épisode. Ah, c'est peut-être bien de le mettre en héros, ça. Putain, mais il y a combien de personnes... Oh. Ah oui, ok, d'accord, on avait presque fait le tour, en fait. Oh putain, on peut avoir un... C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un castor ! On peut avoir un putain de castor comme personnage jouable.
Oh, c'est un main, hein. Le castor, c'est tellement un main. Ranger rouge, le castor. Ouais, c'est parti. Même pas peur. Bon alors, donc après on a toujours le même set de personnages. Donc on va mettre le... lui là, le mec qui booste les audiences. Ensuite Ranger jaune, il faut mettre une nana. Donc on va mettre elle par exemple. Elle a déjà un t-shirt jaune, donc c'est parfait. Ah mais on peut choisir les couleurs. Allez, on va choisir les couleurs et les noms après, hein. D'abord on choisit quel personnage on veut. Donc il faut un black, hein. Donc le black en ranger bleu, ça me semble pas mal. Donc un pro du basket. Mais je verrais bien en fait le... celui-là là. Le gros bourrin. Ou alors... bah non, c'était le même. Ok. On va prendre le Black Bourrin. Voilà. Evan Tyson. Et pour la blonde, donc... Bon, on peut garder la pétasse blonde. Ouais, on va pas changer la pétasse blonde. Donc alors, les noms maintenant. Donc les noms. Alors, le castor. Comment on va l'appeler, le castor? Ah, t'as les bonus de classe à gauche. J'avais pas fait attention. Ah, parce qu'ils ont... Oh, attends. Ah oui, non, d'accord, ok. Ça, c'est des... Les bonus de classe, c'est en fonction de la couleur du costume, j'imagine. Ouais, ça change pas suivant le perso, hein. Donc c'est bien... Mais alors, si je change de couleur... Ah oui, ok. On va rester avec ce setup-là, en fait, pour les couleurs de Ranger. Il faut choisir les noms. Il faut choisir les noms. Ah merde, j'ai oublié le chinois, c'est vrai. J'ai oublié le chinois, le con. Il nous faut... Il n'y a pas une meuf chinoise, une chinoise. Voilà, experte en Muay Thai et kickboxing, ça me semble pas mal. Ou alors on prend qu'une nana dans l'équipe. On prend qu'une nana. Celle-là, elle a l'air pas mal, hein. Je pense que je vais faire ça, je vais prendre qu'une nana, je vais prendre le Bruce Lee. Voilà, la boîte de Nem sur patte. Et on va prendre la nana, ici, parce qu'elle est... celle que je voulais prendre, voilà. Hop, on va faire ça. Bon alors... Alors, le castor. Le castor, comment on va l'appeler, le castor? Parce que là, du coup, comme on a appelé notre compagnie Gaming Live, il faut des noms en rapport avec Gaming Live. Ça me semble évident. Donc alors, le castor, qui pourrait correspondre à un putain de castor à Gaming Live? Ça, c'est la grande question, hein. Ça, c'est vraiment la grande question. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, oui, d'accord, ok. Il faut des personnages qui correspondent à la classe sur le côté. D'accord. Oui, ok. Donc oui, par exemple, lui, c'est de la merde, en fait. Faudrait plutôt prendre le... de la régène de vie. Alors on prend celle-là, donc alors là, on prend le Black Bourrin, Scout. Donc il faut du mouvement.
Ah, c'est encore plus compliqué. Ah bah voilà, on prend le putain d'Asiat. Alors, il y a qui d'autre qui bouge bien? Bah non, il n'y a que cet Asiat là. Bon, on va prendre l'Asiat et elle, l'assist. 20% skill regen. Dans ce cas-là, s'il faut peut-être inverser les deux nanas. Ah mais du coup, non, on va prendre deux nanas. On peut prendre un putain d'alien. Ah oui, Monsieur Sapin, le castor. Bah oui, très bonne idée. Très bonne idée. On va faire ça. Bah sinon, on prend deux blacks. Hein. Ah mais, après, je sais pas... Oh là là. Après tout, on s'en fout. Pas grave, voilà. On lui donne plus de mouvement, lui il a moins de mouvement, comme ça équilibre. Voilà, on se met comme ça. Donc alors. Le castor, donc Monsieur Sapin. Ok. Donc ensuite, le black. Bon bah ça va être KD, hein. KD Gamer Boy. Ensuite, le roux. Le roux. Comment on va... Y a un roux dans iGaming Live. Y'a pas de roux à iGaming Live, si. Oui, bah MV, le chinois, c'est évident. Hein. MV, là, ça me semblait... évident pour le chinois. Donc ensuite, la nana, bah ça va être Mizu, hein, forcément. Bah du coup, on va faire Ken Bogard. On va faire Ken Bogard, même si c'est pas trop le... RP... De toute façon, je pense qu'on pourra certainement créer de nouveaux personnages par la suite. Donc rien n'est figé. Donc c'est pas grave. Ne vous en faites pas, je pense qu'on sera amené à créer de nouveaux personnages. Regardez, il y a plein de couleurs parce que là, on a que le setup de base. Mais après, on aura le Ranger vert, le Ranger argent, tout ça. Ranger doré. Bref. Voilà, on va y aller parce que sinon on va passer un temps infini dans ce premier menu. Alors, ce putain de castor. Donc alors, le magasin, qu'est-ce qu'on a dans le magasin? Donc on a des armes. Des armes et des pièces d'équipement. Ok. Donc de base, en fait, ils ont pas d'équipement. Donc il va falloir les équiper. Comme on peut. Donc alors... le putain de... Donc déjà, KD, on va lui donner une épée. Comment on fait pour... Ah oh oui, bah acheter pure chasse, ok. Bye et équipe. Voilà. Hop. Amizu aussi, on va lui mettre une putain d'épée. On va le mettre à lui aussi. Et pour MV et le castor, on va leur donner des flingues. Et on a plus de thunes. C'est génial. C'est génial, on a plus de thunes. Après, on a les upgrades du... Ah oui, pour créer des décors et tout. Bon, bah ça, on va devoir attendre forcément. On va
peut-être pas dû dépenser autant de thunes directes. Bon, c'est pas grave. Ok, les acteurs, après on peut choisir de... Ah oui, ok, il y a des compétences. Ouah, pff, y a... Oh là là, il y a tellement trop de trucs dès le début. C'est fou. C'est beaucoup trop fou. Il y a trop de possibilités. Bon. On va commencer à tourner notre premier épisode. Je sais pas hein, si d'autres persos viendront s'ajouter à la liste des persos déjà existants par la suite. Je découvre le jeu en même temps que vous, donc je ne peux pas savoir pour l'instant. Ah oui, en plus ils ont un salaire. Bon bah, on va voir comment on s'en sort. Alors, bon alors, l'épisode pilote de notre propre série. Aujourd'hui, la Chroma Squad va devoir taper l'homme carton, Carton Man. Donc il faut faire 3 acrobaties en équipe et garder tous ces acteurs au-dessus de 50% de leur point de vie. Bah c'est parti. Saison 1, épisode 1. J'ai bien aimé le petit effet de la caméra qui fait le point, là. C'était sympa. Donc on arrive. Que se passe-t-il? Notre premier épisode, c'est incroyable! Ah, ce castor! Voilà, donc c'est... Notre première histoire, c'est un groupe de monstres qui essayent de prendre d'assaut un laboratoire scientifique. Et il faut leur casser la gueule. Ah, mais par contre, il faut commencer par ajouter un narrateur, on ne peut pas directement commencer l'action. Hein. Très bonne remarque, Mr. MV. Il était une fois, un groupe de héros est né. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur Sapin? Je pense que c'est un bon setup pour commencer l'histoire. Ouais, mais c'est pas mal, mais par contre, la formule « il était une fois », c'est peut-être pas le bon délire. Ils ont pris un narrateur bon marché. Voilà, c'est de puissants adolescents étaient le dernier rempart de l'humanité. Et leur première tâche était de défendre un laboratoire scientifique d'un monstre maléfique. Mais les sbires sont pas à la bourre. Où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'ils sont allés, Ken Bogard? Tu sais où ils sont? Ah, Verdier! Je ne sais pas, monsieur Sapin. Et nous devrions nous dépêcher. Mais qu'est-ce que tu en dis, Mizou? Ah, ils étaient en train de se changer, les sbires. Ils devraient pas tarder à arriver. Les sbires arrivent. Oh là là, on les voit sortir du paravent et tout. Le mec qui venait à peine de se changer. Allez, soyons prêts pour un peu d'action. Donc alors. Donc Ken Bogard va travailler en équipe avec KD. Hop là. Comme ça on va ramener KD à côté d'un adversaire. Donc Mr. MV. Oh là là. Il se fait esquiver direct. Très bien. Oh là là. On va aller par là avec Mizou. Oh, cette contre-attaque de KD.
Ah non, tapez pas Monsieur Sapin, vous avez pas le droit. Ok, les autres sont trop loin pour pouvoir attaquer, très bien. Allez, Verdier! C'est pas terrible. Truc Heidi, mais c'est patate. Hein. Oh là là. Berserk qui a esquivé l'attaque de Mizu. Bonsoir aux arrivants hein, sur le chat. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, Chromatize? Ah, on peut se transformer en une version plus puissante. Allons-y. J'ai pas fait attention. Ah, la séquence de transformation. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on frappait pas fort, là. Là, maintenant, on est beaucoup plus vénère. Enfin, ça, par contre, on a une sape de merde. Hein. Ok, donc maintenant ça va chier. Ouais, mon perso frappe clairement plus fort. Par contre, ça... ça ressemble plus du tout à un castor, là. Nos fans nous donnent du pouvoir, de la puissance. Ah, j'avais pas vu le... Donc, l'attaque avec le flingue. Donc, est-ce qu'on peut attaquer d'ici? Oui. Ou alors un multi-shot. Non, on peut pas. Wouah, ah, ça fait mal. Oh la vache. Ah oui d'accord, c'est des compétences en fait les armes. On a l'attaque classique mais après on a les compétences à l'arme. Hidoken. Wouah, un Hadoken pour soigner. Ah mais du coup on est full life là. Quand on se transforme on retourne à pleine puissance. Ah là là. D'accord. Faut que je fasse une figure de plus vous pensez? On va faire une figure de plus alors. Se mettre là. Quoi, juste faire une figure pour la forme. Hein. Juste pour être sûr. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà. Donc là, on a fait suffisamment de figures, j'imagine. Là. Si on lui casse la gueule, ça devrait faire une attaque en équipe. Ah oui, à 3. Magnifique. Ah oui, c'était 3 acrobaties, c'était pas 2. Je croyais que c'était 2. Alors, vous avez bien fait de me signaler ça. J'aurais pu passer à côté de l'objectif de la mission. Après avoir vaincu ces puissants aliens, la team réfléchit à ce qu'elle doit faire ensuite. Et soudain... Oh là là! Un méchant apparaît à l'homme signalétique, hein, qui a un sceptre feu tricolore et un cône de sécurité sur la tête. Le swag. Transit Monster. le magicien qui gère les... la circulation. C'est violent. Voilà, vous allez devoir subir les conséquences. Mais pas maintenant. Je viendrai pour vous plus tard. Oh le mec, comment il nous tease. Qu'est-ce que tu foutais dans le laboratoire? Ce n'est pas vos affaires. Et il se casse. Ah, ce premier épisode. Ken Bogard qui sait pas s'il faut jouer la comédie ou si c'est la vérité, tout ça. Ah, peut-être que Cerebro aura des informations pour nos rangers. Allons voir Cerebro. Oh, cette disparition ninja. Thank you.
Après, j'avais pas vu. Enfin, bonsoir, Ikoban. Bah, il s'agit de Chroma Squad, un tactical RPG avec des Sentai qui vient de sortir aujourd'hui même sur Steam. Et c'est marrant. Hein. Merde. Oh, Mister MV, je m'attendais pas à un rendu aussi cool avec le décor avec le chroma key. Ah, le chroma key, hein, l'outil indispensable sur XSplit, hein, pour jouer avec le fond vert. Donc c'est parfaitement de circonstance, hein. Ken Bogart qui sort le coup du chroma key à Mister MV, c'est tellement parfait. Ah, moi aussi, je m'attendais pas à un tel résultat, mais c'est bien, c'est cool. Mais oui, c'est totalement RP. Hein. Alors, Cerebro a fait des recherches. Oh là là! Les méchants essayent de mettre la main sur le pouvoir permettant de débloquer le voyage dans le temps. C'est un pouvoir que personne ne devrait avoir. Oh là là, il faut retourner là où on était avant, il détecte une nouvelle menace. Voilà. Monsieur Sapin est très impressionné de voir que le Cerebro fonctionne bien. Attends, en fait, je suis con, j'aurais dû faire un imprime-écran, hein, au moment où Ken Bogart parlait du chroma key à Mister MV. Ça aurait été tellement bien de lui tweeter ça. Allez, le téléporteur n'est pas encore en place, donc il faut courir sur la scène. Ah, où sont les monstres? J'ai hâte de pouvoir utiliser mes attaques spéciales. Oh là là, carton man. Je suis en retard, où est-ce qu'on en est de l'épisode? Oh, le mec, tellement YOLO. L'homme carton. Ah. On est suffisamment loin dans l'épisode, tu es tellement en retard. Boxing box. Ah bah oui, ah oui, c'est vrai, il a des gants de boxe. Boxing box. Ça n'arrivera plus, je suis désolé. Oh là là, il invoque des sbires. Encore un sbire qui sort du paravent, hein, la base. Prêt à vous servir, monsieur. Alors. Ok, donc il faut vaincre le boss avec un finish move, hein, ça c'est la base. Et battre tous les sbires avant de s'attaquer au boss. Ok, c'est de l'ordre du jouable. Ok, donc KD a une non, c'est Ken Bogart, ça, pas KD. A une compétence pour stun un adversaire. Très bien. Donc alors, on va utiliser sa compétence d'épée, voir ce que ça fait. Oh, ce slash! Très impressionnant. On a récupéré du coton. Ah oui, d'accord, 4 tours pour pouvoir être utilisé à nouveau, en fait, ouais, vaut mieux conserver le truc pour plus tard. Encore du coton, parfait. Un lasso, ça fait quoi le lasso? C'est pour rapprocher un ennemi de nous. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut l'utiliser de là? Ouais, on va l'utiliser. Waouh, trop bien. Ah, et on peut attaquer en plus. Ok. Parfait. Voilà, Mister MV. Oh, ce petit salto du swag à la fin. Magnifique. Ok. On va se mettre en mode teamwork. Ah, quand on se met en teamwork, ça régène la vie. Enfin, je sais pas si c'était ça ou juste une action de fin de tour. KD qui est vite, c'est magnifique. Oh là là, boxing box s'approche. C'est très dangereux. Attention. On travaille en équipe. KD lui va casser la gueule tout seul
un adversaire, il est suffisamment bourrin pour ça. Donc attaque combinée entre Monsieur Sapin et Ken Bogard. Magnifique travail d'équipe. Et donc Mizu, tiens, elle va faire un coup d'épée sur la petite bestiole. Prends ça. Voilà. Oh mon dieu! Ah, ce punch est en plus Mizu et stun. C'est pas très très sympa ça. Alors, on lui fait une attaque, voyons voir. Ah oui, il a vraiment beaucoup de vie. D'accord. Donc là, il va falloir utiliser nos compétences. Ah, on peut le finir. Il y a la petite étoile de finish, ça veut dire qu'on a... On lui a enlevé suffisamment de vie pour pouvoir l'achever. Donc, on va tous se mettre autour en mode finish him. Et ensuite, avec Mizu, c'est parti. Normalement, si on fait ça, voilà. J'ai débloqué le trophée comme à la télé. Je vais être recyclé. Ah oui, normal pour du carton. Oh là là, cette explosion. Mais où est Transit Mancer? Les monstres... se montrent toujours à l'endroit de leur première défaite. Il devrait pas tarder à poindre le bout de son nez. Et lorsqu'il reviendra, on le stoppera. À suivre. Oh là là. Donc ça devrait saucer les gens, cet épisode. Oh, Curse Dragon, qui peut me parler parce que je joue pas à Super Robot Tyson. Mais je vais vite y revenir, hein, tu sais. Pas de pitié pour les cartons, tout à fait. Donc on a droppé des... de la matière première. Donc pour du craft d'armes... Ok, bon. Ah, les audiences sont saucées, il y a des hashtag Chroma Squad. Hashtag... Il y a du arrobas @gaminglive. Merci pour cet épisode parfait qui comprend véritablement comment on doit être une série de super-héros. C'est fou. Et du coup, 73 fans. Ah d'accord, as-tu... Ok. Formulation de ta phrase, j'avais pas compris. Non, bah t'inquiète pas, je reviendrai vite au Super Robot Tyson. Là, c'est juste que c'est un nouveau jeu qui venait de sortir aujourd'hui, que j'avais envie d'essayer. Alors, donc on peut crafter des gants, des bottes, un nouveau flingue. Un flingue en... C'est quoi, Gris? C'est de la pâte à modeler, ça. Ça a une bonne gueule sur une VHS. Ok. Bon alors. Un peu plus de vie pour ces bots. Des fake bots. On va crafter des fake bots.
on va les équiper sur quelqu'un qui n'a pas trop de vie. Bah, celui qui a moins de vie, en fait, c'est Mister MV. On va l'équiper sur Mister MV. Ok. On peut rien crafter d'autre, en fait. Voilà, comme ça, c'est vite vu. Alors, ensuite, donc on a 600$. Très bien. Nos acteurs, ils ont pas coûté de thunes ou quoi? J'ai pas fait gaffe. Bon, enfin bref. Donc dans le studio, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose dans le studio? Donc plus de vie pour tous les acteurs. Ça coûte 150$ tout de suite et ça consomme 25$ par épisode. Donc une caméra qui permet de gagner plus d'audience. Un microphone, plus d'audience grâce au combat et aux capacités. Ah, ça c'est peut-être bien. Et un plus gros studio après, donc ouais, ça pour l'instant on peut pas. On va prendre un micro. Ça coûte pas trop cher. Donc allons-y. Ah, et on peut l'upgrader après, d'accord. Ok, ok. Dans un premier temps, on va prendre une caméra et un micro, voilà. Pour agrémenter un peu les locaux de Gaming Live, n'est-ce pas? Et bah pour l'instant, on va rester comme ça. On va peut-être pas acheter de l'équipement tout de suite, hein, parce que sinon, on va dépenser toute notre thune un peu trop vite. On va se contenter de ça. Et on va directement passer à l'épisode suivant. On a le choix entre... Ah, on peut choisir entre plusieurs épisodes que là on a envie d'enregistrer. Donc alors... Bystander, c'est quoi ça? C'est un buisson? C'est quoi? C'est une... On dirait un lierre là. Je sais pas ce que c'est. Oh là là, ce pic pirate! Oh, il est stylé, pic pirate, hein! Et un gros alien. Je pense qu'on va prendre le pic pirate. On va prendre pic pirate. C'est lequel mon méca du cœur? Mon méca du cœur, bah déjà on m'avait posé la question hier, on m'a déjà posé plusieurs fois. C'est toujours compliqué parce que je kiffe tellement de séries de méca que c'est dur d'en choisir un seul. Et si je devais en choisir un seul, je dirais peut-être le Shin Getter Robot. Et salut à ceux qui arrivent, Mikablo, Zemorège. Oui, oui, bah c'est un tactical RPG où on doit faire une série de Power Rangers, de Sentai. C'est stylé. Et puis voilà, il y a Monsieur Sapa en castor, donc c'est imbloquable. Ah là là, Pic Pirate. Oh, il est pas content, il dit que c'est un... C'est un prestigieux acteur et il trouve que notre costume c'est de la merde. Ah, ah d'accord, il veut pas ce costume donc KD lui dit ben vas-y va dans à l'arrière de la pièce pour te changer et puis mets le costume qui te fait plaisir. Tu pourras utiliser le téléporteur lorsque tu seras correctement habillé. Et nous allons commencer à enregistrer pendant que tu te changes. Donc vas-y, hein, va faire ta diva. Nico. Mais non, pas Deimos. Oui, c'est sur PC, hein. C'est sorti aujourd'hui même sur Steam, en version définitive, pour 15€.
La patience est une vertu, n'est-ce pas? Oh là là, ça c'est une phrase qui va bien pour Monsieur Sapin. Oh là là, il est toujours dans son costume, même costume dégueulasse. Ah oui, non, d'accord, ok. Ah, c'est... Il est venu avec ce costume et il veut garder que ce costume, alors que les autres lui disaient c'est un peu costume de merde et il faut que tu changes pour que tu aies une bonne gueule. D'accord, j'avais pas compris le sens de la phrase. Parce que c'est Barrelman, l'homme tonneau. Et je vais rouler sur vous. C'est quoi le nom du jeu? C'est marqué en bas à gauche de l'habillage. C'est Chroma Squad. Chroma Squad. Alors. Donc alors. Les directives du réalisateur. On doit casser la gueule au boss avec une attaque spéciale de fin, donc ça c'est la base. C'est attack the boss monster, oui. Lead three time. Lead. Ah oui, le leader. D'accord. Donc Monsieur Sapin doit casser la gueule 3 fois au boss avant de le finir. Donc on voit direct qu'on va se transformer, on n'a pas le temps. Voilà. Ok, donc c'est parti. Occupons-nous d'abord des sbires. Yahoo! Oh là là. Magnifique. Ramenez-vous, bande de sales sbires. Barrel roll! Ah, oh, il a fait ce barrel roll. Alors. Donc. On va aller là, avec Ken Bogard. Coup d'épée dans sa gueule. Hop. Donc. Monsieur Sapin, lui, il faut qu'il attaque le boss. Ensuite, on va aller là. Qu'est-ce qu'on peut faire comme multi-shot? Ok, on va tester ça. Waouh, c'est violent! Très bien. Oh mon dieu! Mister MV, il prend un peu cher. Hein. Oh, ce barrel roll totalement inefficace. Parfait, bon. Esquive malheureuse. Ok, avec Sapin. On tape encore le boss. Apprends ça, monstre. Mister MV qui achève même pas la bestiole. Bon, on va lui faire un Hildouken. Magnifique. Oh, il se casse tellement loin, lui. Ça a totalement barrel roll la gueule de Ken Bogard. Hein. Je suis pas d'accord. Bon. Sa gueule. Bon, allez, qu'à cette distance là, c'est pas terrible. Ah, mais il va tellement. Oh, il est chiant lui. Qu'il est chiant.
savez quoi? On va directement aller se mettre en position pour l'achever. Enfin, on va rester par là, de toute façon, il va pas tarder à nous attaquer. Hop, on va se ramener avec Mizu, puis l'autre ennemi. On le laisse en paix. Mais il va tellement loin! Oh, le vieux relou! On va tenter d'achever déjà le sbire. On va l'achever à cette distance. Il repart encore à perpète. Ken Bogard va mourir. Bon. Je pense que là, de toute façon, on va pouvoir l'entourer correctement pour l'achever. Voilà. Voilà, on a rempli les conditions du réalisateur, on est content. Wow, such explosion. Beaucoup de particules. Much amazing. Wow, such hype. More Doge, please. Ça, c'était totalement une référence au Doge de Twitch. Ok. Oh là, on gagne pas beaucoup de thunes, hein. C'est pas terrible. On a gagné des fans, cela dit. Ok. Bon bah, pour l'instant, alors, on devrait peut-être pas faire trop d'emplettes. Peut-être tout de même mettre des bottes à certaines personnes qui n'ont pas énormément de vie. On va dépenser de l'argent pour des bottes. Comme ça, tout le monde aura un peu plus de vie. Voilà. On n'achète pas plus pour l'instant. Allez, passons directement au niveau suivant. Donc ok, on doit faire les trois dans tous les cas, on avait le choix, mais... On va devoir les faire. Ah bah oui, Curse Dragon, hein, j'ai pu faire, des épisodes en dehors de Super Robot Tyson Alpha 3. Là, entre-temps, j'ai commencé Super Robot Tyson MX et j'en suis assez loin. Là, je suis à plus des deux tiers du jeu. Non, je suis même dans le dernier quart, je crois. Sur la TV3, donc j'ai enfin terminé mon run sur Super Robot Tyson Z. Donc là, on enchaîne avec Super Robot Tyson Original Generation 2. Et là, bon, même si je l'ai fait qu'à partir de la moitié du jeu à peu près en stream sur ma chaîne perso, j'ai fini le tout dernier Super Robot Tyson qui est sorti, donc le Super Robot Tyson Z3 Tengokuen. Donc voilà. Pas mal de jeux faits. Alors, ah, il faudrait trouver un rival. Il a parlé d'un rival pour booster les audiences. Ah oui, mais pour ça il faut de l'argent.
Ah, Ken Bogard a une idée en tête pour se faire du pognon. Ah, il faudrait faire un épisode où il y a une jeune fille qui se fait kidnapper. Ok, la sœur de Ken Bogard pourrait se faire kidnapper. Ken Bogard a une sœur capable de jouer le rôle d'une jeune fille en détresse. Très intéressant. Et pourquoi on n'utiliserait pas un mec qui a besoin de se faire secourir? C'est vrai ça? Ah, Mister MV dit que Mizu marque un point. Ah, la sœur de Ken Bogard a toujours voulu être secourue dans une série de super-héros. Et Mister MV qui appuie bien sur le fait qu'on doit faire attention à pas introduire des propos sexistes dans leur série. Oh là là. Katie qui s'en bat les steaks. Sexisme et de racisme, pardon. Des thématiques fortes. Oh là là, Monsieur Sapin qui est d'accord, parce que c'est de leur responsabilité de changer les choses, de ne pas reproduire les trucs qui ont été faits avant, les mauvaises choses qui ont été faites avant. Ah, son beau-frère, le beau-frère de Ken Bogard pourrait être aussi un candidat intéressant pour être secouru. Bon, sa sœur sera déçue, mais tant pis. En avant, Chroma Squad. Voilà, voilà, voilà. Et salut à ceux qui arrivent également, Luca, tout ça. Bonjour, bienvenue. Oh putain, c'est quoi ça, ce personnage en bas là? C'est totalement une putain de tortue ninja. Qu'est-ce que c'est que cette tortue ninja? Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, faut se dépêcher de ramener l'otage au boss avant que la Chroma Squad arrive. Trop tard, on est déjà là. Oups. On voit le caméraman et le perchiste en bas. Donc la ruelle sombre, hein, le décor classique aussi. Hein. Chroma Squad doit se battre contre un dangereux ennemi pour sauver le garçon. Ah, je suis désolé d'interrompre l'épisode, Monsieur Sapin, mais qu'est-ce qu'il a, Mister MV? Ah, les uniformes sont à la laverie, donc on ne peut pas se transformer en Chroma Squad durant cet épisode. J'espère que nos fans comprendront. Donc il faut faire plein d'attaques en équipe pour les satisfaire. Et le mec qui fait l'otage, pourquoi je pourrais pas utiliser mes capacités en arts martiaux pour casser la gueule à ces monstres? Je te l'ai dit, hein. T'es censé te faire secourir, donc reste tranquille. Tu n'as même pas de micro sur toi, donc ça sert à rien. Devons vous sauver. Pas si on vous stoppe en premier, Chroma Squad. Alors, donc il faut arriver jusqu'à la personne à sauver avant de battre tous les ennemis. Ok, et donc il faut atteindre la personne à sauver en l'espace de 3 tours. Très bien, c'est parti. Faites place, dégagez, voilà. Alors,
Allez. Le mal ne vaincra jamais. On s'en fout, on le snob complètement. Allez, salut. Ah, ces ennemis qui bouchent le passage. Ah, du coup, on ne peut utiliser aucune capacité spéciale. Là, dans tous les cas, on va devoir casser la gueule aux ennemis pour se frayer un passage. Oh là là! Cette attaque de Mister MV, très très impressionnant. Oh merde, il esquive, saleté. D'atteindre le mec. Voilà, on arrive à côté de lui. C'est bon. On l'a fait en 3 tours normalement. Maintenant, cassons la gueule au boss. Même pas soigner Kaidi avec Mizu. Je suis triste. Bonsoir Noctis. Je pense qu'on peut terminer le boss avec une attaque en team. On va tenter l'attaque en team. Allez, Chroma Power, bla. Voilà. Tout s'est bien passé. Amazon pour se battre avec nous. Qu'est-ce qui sort, Mister MV? Bon, en tout cas, l'épisode fut une franche réussite. Les fans devraient être contents. Un peu plus de loot. On gagne de la thune. Les gens sont contents. Un mec qui dit il n'y a pas eu de transformation, peut-être qu'ils sont en train de redesigner leur uniforme. Peut-être, ou peut-être pas. Ok, donc alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire niveau craft? Ça par exemple. On va le mettre sur Ken Bogard. On va en crafter un autre. On va crafter une épée également. Épée de merde. Hein. Totalement merdique l'épée. Bon.
Est-ce qu'on peut vendre nos équipements? Je me demande. On n'a pas l'air de pouvoir les vendre. C'est embêtant. Bon, soit. On a 750 de thunes. Peut-être qu'on pourrait s'acheter un petit uniforme pour quelqu'un. Ou alors des bottes pour tout le monde. En fait, il manque juste des bottes pour Monsieur Sapin. On va lui acheter des bottes, voilà. Les gants. Des gants pour Mister MV. Des gants pour Monsieur Sapin. Des gants pour KD. Donc les armes, on a toujours que ça disponible. Acheter un uniforme pour Mister MV parce qu'il a vraiment pas assez de vie, le pauvre. Hop là, voilà. Passons au niveau suivant. Ah, il faut répondre à nos messages. Ah oui, on a des messages, j'avais pas vu. Oh là là, alors attendez. Et cette musique. C'est vrai que c'est une bonne musique d'ascenseur. Alors, ah, c'est l'ancien réalisateur à qui on a claqué la porte au nez. Mais comment ça va, mes vieux amis? Nous savons tous que je suis la seule raison pour laquelle votre nouvelle émission est aussi bonne. Ok. Je sais que les derniers moments que l'on a passés ensemble n'ont pas été très bons. Et nous sommes... nous traversons une mauvaise situation. Ah oui, nous traversons une mauvaise situation parce que vous nous avez volé... mes idées. Vous m'avez volé mes idées. Alors, essayons de faire un deal. Vous avez plusieurs options. Je vous fais un procès. Vous me payez pour les idées que vous m'avez piquées. Ou alors, je serai votre nouveau directeur. Ah. Alors, le mec qui est l'ancien trou du cul pour qui on bossait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au tribunal? Est-ce qu'on lui paye des droits d'auteur? Ou est-ce qu'on fait de lui notre nouveau réalisateur? Je pense qu'il va aller se faire foutre et on se verra devant les tribunaux, ok? Voilà. On va bien te faire mettre. Alors ensuite, du marketing. Donc une agence de com, visiblement. Une agence de com qu'il faut payer. Et qui assure 15% de hausse d'audience à chaque nouvel épisode. C'est gratuit la première semaine. Ça sent l'arnaque, hein. Parce que le gros It's Free for the First Week, ça sent tellement la banane. Je vais chercher d'autres options. Casse-toi. Alors, vous amusez bien les enfants? D'accord, c'est l'oncle de Mister MV qui demande comment ça se passe dans l'entrepôt. J'espère que vous avez toute la place dont vous avez besoin. Voilà, j'ai dit à Joe de réparer ce problème, cette fuite qu'il y avait dans la salle de bain pour vendredi prochain. On parle de Cérébro, on s'en fout. Ah, il y a des chats qui traînent dans les parages, donc on pourrait peut-être s'en inspirer. Pour des situations, je sais pas. Ok, bon bah bref. Ah, on a une nouvelle option, le marketing. Ah, très bien.
Ah oui, ok, donc on peut choisir une boîte de com pour promouvoir notre série. Ah oui, donc une boîte de com qui apporte plus de thunes par épisode. C'est pas mal ça, dans un premier temps. Je pense que je vais engager. Ah d'accord, il faut payer tout de suite. Voilà, juste pour un épisode, tiens, allez. Et donc c'est quoi ça? C'est une option à choisir parmi les trois, peut-être. Ah oui d'accord, il faut utiliser le pouvoir des fans. On consomme du pouvoir de fans pour... acheter une compétence. Ok. Bon, on va faire ça. Hop, voilà. Allez. C'est parti pour le nouvel épisode. Ah, il y a des trucs que j'ai pas regardé dans l'option de crafting et il y avait une option pour vendre. J'ai pas fait attention, effectivement. Bon, bah, on verra ça après. On verra ça après, c'est pas grave. J'aime bien quand il y a l'effet du téléporteur sans aucune raison. Mais t'avais pas un rendez-vous chez le dentiste, Mister MV, aujourd'hui? Oh merde! Ah d'accord, il va devoir se barrer. Oh salaud de Mister MV qui va se faire redresser les dents. On va essayer de terminer l'épisode avant son rendez-vous chez le dentiste. Très important. Donc les sbires arrivent. Et soudain, un alien se ramène. Oh, tu n'es pas censé arriver maintenant! Nous devons d'abord trouver où est-ce que tu te caches. Ah, désolé mec. Je ferai plus attention la prochaine fois. Ah, il se recasse. Et normalement, plus de mobs doivent se ramener. Oh là là, mais il y en a plein. Bon. Ça va être facile, on va leur casser la gueule. Parce que cette fois, on peut se transformer, je pense. Nos vêtements sont plus à la laverie. Alors, il faut faire une attaque en coop avec 3 membres. Et il faut buter tous les ennemis en l'espace de 4 tours. Très bien. Bon bah, on va directement faire une attaque en équipe. Histoire de se mettre bien. Voilà, triple attaque. Blah ! Dégage ! Ah oui, il y a une petite notif en haut qui dit qu'on a bien suivi les instructions du directeur. Ah, par contre, on pouvait se chromatiser. Bon, tant pis, je ferai au prochain tour. De toute façon, il me semble que ça nous soigne entièrement quand on se chromatise. On va vérifier hein, si Mizu se soigne après avoir pris cher de la sorte. On va se faire entourer. Comment ça bien faire? Allez, transformation! C'est ça, un l'arnaque moldave de Mister MV pour louper le... Enfin, pour ne pas taffer. C'est intolérable, ce qu'il fait. Il frappe tellement fort, KD. Le multishot, hein. Si on se met là. Ah, on peut toucher tellement d'ennemis d'un coup. Multishot, allez. Bra 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 bra. C'est vénère. Là on en est à 2 tours.
Mizu qui a fait une splendide contre-attaque. Par contre, Mizu qui prend cher, là. Oh là là. Ne meurs pas, Mizu. Ne meurs pas. Non. Voilà, t'es qui est d'ici, lui. Oh, ça esquive. Est-ce qu'on peut se faire un heal sur soi-même? Oui, on peut se faire un heal sur soi-même. Ah, il y a même le projo au-dessus qui apparaît au moment du heal. Ah non, Mister Two, Atto ne l'a pas déjà fait. C'est ça qui est fat. Que là, j'ai réussi à faire le jeu avant Atomium. Pas le rattraper au lasso, on est trop loin, tant pis. Coup de pistolet, est-ce que ça va suffire pour buter? Non. C'est la merde, je vais pas réussir à le buter en ce tour-ci. Du coup là je vais pas remplir le deuxième objectif. Dommage. Ah là là, tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai mal géré. On a très mal géré. C'est pas grave. On devrait continuer l'histoire dans un prochain épisode, mais là je dois me barrer... Je dois aller chez le dentiste, prenez soin de vous les gars. C'est ça, barre-toi Mister MV. C'est honteux. À suivre. Ah, on pourrait profiter de l'absence de Mister MV pour introduire un nouveau élément dans l'histoire. Ah ouais. Par exemple, Mister MV qui serait fait kidnapper par le gros alien. Ah, ça pourrait valoir de l'or. Nous devrions prendre, enfin nous mettre autre part, comme ça les gens croiront que c'est un moment différent de l'épisode. Bonne idée, Ken Bogard. Allez, tout le monde, bougez. Mettez-vous dans vos nouvelles positions pour faire croire à l'audience qu'on n'est pas au même moment. Donc, le gros alien a kidnappé Mister MV. Donc la Chroma Squad investigue dans l'entrepôt pour essayer de trouver leur ami. Quand soudain apparaît... Vous ne verrez plus jamais Mister MV. Oh merde. Oh, il réinvoque une tortue ninja. Mister MV est entre de bonnes mains. Mais soudain, quelqu'un arrive dans le téléporteur. Ah, qui c'est? My name is Thomas Dale. Ah, c'est le... Le sixième ranger, le Galax Silver des Galaxy Rangers. Oh là là. Il a pour job de maintenir la paix dans la galaxie. Et ce monstre intergalactique nous menace. Bon, tu viens squatter notre studio sans notre permission, mais comme ton entrée était cool, eh ben, c'est pas grave. Ah, c'est bon de te voir, Galax Silver. Les aliens ont enlevé Mister MV. Dites votre dernière parole, créature obèse. Transformation en Galax Silver. Waouh.
Galaxy Saber est prêt à vous détruire, maudite bestiole. Donc, tapez tous les sbires avant de taper le boss. Et il faut casser la gueule, enfin il faut faire un hit au boss à chaque tour. Ok. Ok, ok. Bah très bien. Hop. Oh, elle a beaucoup de vie cette tortue. Le beat de l'alien, il est garanti. Hein. Alien Gun. Oh là là. On lui fait que dalle à ton grosse tortue là. Allez Kaidi, défonce-le. Avec ça, on va continuer à taper l'alien. Ouais, c'est ça, c'est un tactical indé qui vient de Kickstarter, hein, donc qui a récolté 97 000 $ sur les 55 000 $ qu'il demandait initialement. Donc ça a été une franche réussite le Kickstarter, et là il vient de sortir aujourd'hui même sur Steam. Ah oui, attention, il faut casser la gueule à l'alien chaque tour, très important. On va essayer de le terminer avec une petite attaque combinée. Même si j'ai peur que d'être trop loin, là, à ce tour-ci. C'est pas grave, on attendra le prochain tour. On va l'entourer comme il faut. Ah mais non, mais il faut l'attaquer à chaque tour, c'est vrai. Voilà. Hop, ça devrait suffire. Tu ne m'échapperas pas, fourbe créature venue de l'espace. Ah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh putain, il va loin. Bon, alors. On va être trop loin pour pouvoir l'attaquer, hein. C'est chiant. Bon, c'est pas grave. Ah mais merde, j'ai pas attaqué ce tour-ci. Oh le sac. Je suis trop con, moi. Je vais à tout prix faire une attaque en équipe et du coup, je le tape même pas le tour précédent. Alors que j'aurais tellement pu l'achever. Je suis trop un sac. Bon, tant pis. On s'en fout. Ah, mais ça a même pas fait une attaque chroma ou je sais pas quoi. Sûrement parce que Mister MV n'était pas présent. Moi, je suis pas très content. Bon, en fait, c'était de la merde. Ouais, c'est ça, Mizu, c'est le Power Ranger Rose. J'ai nommé... Mon studio gaming live, et donc les 5 personnages de base, c'est Monsieur Sapin, qui est un putain de castor. Il y a Kaidi, bon bah, qui est le black, il en faut toujours un de toute manière dans une équipe de Sentai. On a Ken Bogard, le Ranger jaune, Mizu, le Ranger rose, et donc Mister MV, le chinois Ranger bleu. Voilà, donc Galaxy Silver se barre. Il nous souhaite bonne chance. Oh là là, c'est fort urbain de sa part.
Je peux pas attendre Mister MV pour voir cet épisode. Ah tiens, je vais prendre un petit screen de celle-là. Elle est marrante, la phase. Ok. Wow, much episode, very explosion, amazing. Hashtag Doge Kruger. Ok, alors on me disait que... Que dans l'item de craft... Ah, recyclage, il y avait des options de recyclage. On peut acheter également du matos, non? Ah non, ok, c'est pour upgrader les éléments. D'accord. Ah oui, bah tiens, on va crafter du cuir. Ce qui m'en manquait justement, tiens, pour faire un uniforme. Voilà, comme ça on va pouvoir le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Genre Mizu, tiens, notre healeuse. Ok. Et pour le chapeau, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui. Donc il faut ça. Et il faut ça. On va pouvoir se faire un petit chapeau. Un petit casque plutôt. Qu'est-ce que je dis? Oh, plus de chances de coup critique pour Mister MV. Oh oui, il va passer à 21% de coup critique. Ça peut le faire. Équipons Mister MV avec un casque. Et donc on peut recycler sinon les équipements. Mais j'ai pas l'impression par contre que ça nous redonne de la thune en fait. On va recycler ça. Non, ça nous donne que dalle hein. Ouais. Et dans le magasin alors, y a pas d'autre onglet. On peut pas revendre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est juste pour sauvegarder, c'est les options. Ouais ok. On s'en fout. Il n'y a pas d'option pour vendre, j'ai l'impression. Hein. Ou alors j'ai vraiment mal vu, mais on dirait que non. Hein. Ah oui, par contre, oui, s'il y a un Megazord, je vais l'appeler à mon nom. Hein. Ah! Requête urgente pour Mister MV, alors que Mizu se tapait l'incruste. Oh, c'est ce caps lock infini! Oh là là! Eh mon pote, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels téléphoniques et à mes SMS? J'ai vraiment, vraiment besoin de. Besoin que tu viennes réparer mon PC. Comment vas-tu? Est-ce que tu es très occupé à te battre dans... Enfin, tu as l'air très occupé à te battre contre de dangereux dragons, mon pote. Alors, est-ce que Mister MV va réparer le PC du gars ou Mister MV est occupé pour toujours? Donc, je pense que Mister MV est un trou du cul. Et occupé pour toujours. Voilà. Pas d'objet sur ce mail. Soyez prudent, vous êtes en danger. Ok. Merci. Alors. Bah du coup, on va reprendre le même truc là pour se faire de la maille. On va le prendre sur 3 épisodes, comme ça on sera tranquille. Et... Comme on a plein de fans, on va augmenter le pognon. Voilà. Donc c'est bon. On va rester à 800$ pour l'instant. Comme ça, on dépensera toute notre thune plus tard pour alimenter le studio. Ah, c'est le final de la saison. Peut-être qu'il faudrait mieux acheter de l'équipement alors dans ce cas-là. Pour être sûr de ne pas se faire casser la gueule. Ah merde!
J'ai acheté sans faire exprès. Je voulais pas acheter tout de suite. Bon, c'est pas grave. Ouais, on va dépenser de l'argent après tout. Voilà, comme ça tout le monde est équipé. On est bien. Allez. Donc le final de la saison. Ah là, le Transit Mancer est apparu en ville. Mais la Chroma Squad arrive! Putain, ce putain de castor, j'en remettrai jamais. Il est trop stylé, le castor. Voilà. Transit Mancer a toujours envie de foutre la merde dans le laboratoire scientifique. Depuis la dernière fois où tu as échoué, nous sommes convaincus que tu voudrais retenter ta chance. J'ai surveillé le laboratoire jour et nuit. Et comme Kaidi a squatté en permanence devant le laboratoire pour surveiller la venue du Transit Mancer, il lui donne un... Il lui donne une contravention pour stationnement illégal. Allez, sbire! Oh mon dieu! Les sbires qui se ramènent par les bouches d'égout. Oh ce chien! Le doge! Le doge, il est là. Il nous regarde. Avec son air malicieux. Donc alors. Donc on doit garder tous nos personnages en vie. Ce serait bien, oui, effectivement. Et on doit infliger des dégâts au boss. Dès le premier tour. Très bien. Mais c'est parti. Allez, monsieur sapin. Voilà, voilà. On a validé l'objectif. Va faire attention, j'imagine que cette bouche d'égout, ça, on risque de se casser la gueule si on va dedans. J'avoue que si on avait pu avoir un pangolin, c'est tellement vénère un pangolin. Donc à défaut de pangolin, bah un castor c'est pas mal. Feu vert! Oh là! Ouah! On peut pas encore se transformer. Bon, cassons la gueule. Oh là, bah non. Personne ne résiste à Kaidi. Ah, oh, ça y est, transformation! Mieux comme ça. Maintenant, on va pouvoir faire des dégâts. Oh, ce coup critique de Monsieur Sapin. La violence, sa main. Petit tir de pistolet sur lui, tiens. Allez, Mizu. Ah, dommage. Mise ou contre-attaque, GG. Et Mizu esquive, magnifique. Encore son feu vert. Allez, ça attaque encore Mizu gratos. Bravo. Bel esprit. Un coup critique de Mister MV, j'ai bien fait de lui équiper ce casque pour augmenter ses coups critiques, c'était très efficace. Oh le contre, oh ce double contre. Esquive de Mizu, parfait.
Ok, et là on peut l'achever. Ben, on va pas se priver, hein. Chroma Power! Ta-da-da-da-da! Et voilà. GG Easy. J'ai une petite surprise pour vous. Oh là là. Il avait juste l'intention de nous distraire le temps que son maître chope les données. Ah, il s'est barré. L'immondice. Qu'a-t-il se passé? Il faut plus d'action. Il faut plus d'action pour cet épisode. Ah, du coup, il y a encore des sbires qui se ramènent. Gagné en 4 tours, il faut exécuter 5 attaques en équipe. Oh là là, c'est compliqué. Heureusement, on a récupéré toute notre vie. Encore une attaque en team. Double attaque, là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, si, attaque en équipe. Lui, par contre, Mister MV, il va plutôt faire un multi-shot sur eux. Ah non, merde, ça a fait que sur lui. Oh, le sac. Je suis totalement gouré. Bon, c'est pas grave. Oh là, par contre, Mizu, elle est... Elle est pas en forme là. Je pense que je vais pas réussir à gagner en 4 tours. Vaut mieux jouer la sécurité. Une boîte. On va faire un Hildoken sur elle. Voilà, mais Mister MV aussi tire la gueule. C'est la merde. Qu'est-ce qui est arrivé sur ce tour-ci? On va tenter. Ah merde, mais j'aurais pas fait... Ouais, bah c'est au choix. De toute façon, c'était soit valider en 4 tours, soit faire 5 attaques en équipe. Bon bah tant pis. Je vais pas faire les deux là, à ce stade-là. Ah, il y avait encore un dodge là sur la gauche. Ah, Cerebro a développé une machine pour nous aider. Il faut lui trouver un joli nom.
Ah, c'est un mecha. Ah, on va enfin avoir des combats de robots géants, ce serait cool. Un outil pour maintenir la paix à travers le monde. Ah, j'espère qu'on peut renommer le mecha, hein. Si on peut pas le renommer, ça va être triste. Tu vas te faire casser la gueule, Transit Man. Hop, mais c'est pas non, c'est pas Transit Man, c'est Transit Manster. Je les ai manqués pendant que j'étais parti. Et pas vraiment. Tu étais ici juste là sur le. Sur ton siège d'acteur. Haha. Ah, cette vanne, hein. Ce brisage de quatrième mur. Ah, il a oublié son texte, donc est-ce que c'est le moment d'utiliser notre mecha? Pas encore. Nous devons faire quelques combats avant de le faire apparaître. Ok. Tu es 6 ennemis et battre le boss avec un finish move. Ok, bon bah, classique. Je sais pas où ils sont les 6 ennemis, j'imagine qu'ils apparaîtront bientôt, au fur et à mesure du combat. Donc rapprochons-nous du boss en attendant. Oh là là, ça ose taper Monsieur Sapin. Bah on ne peut toujours pas... Enfin, il n'y a pas d'autres ennemis à attaquer, là. On va attaquer les... les techniciens, quand même. À moins qu'il y ait des personnes planquées autre part. Non, ça n'a pas l'air. Arrête de taper sur Monsieur Sapin. Ah, ça y est! Il y a des méchants qui pop. Ah, il s'est TP, ce salaud. Ça va être GG easy, hein. S'ils apparaissent que deux par deux. Feu jaune. Ah, il a boosté sa puissance d'attaque. Le trou du cul. On va le ramener avec notre super lasso. Oh! Ah, oh, comment il nous a éjecté nos personnages comme des malpropres! Ah, 4 ennemis d'un coup! Ok, là c'est les choses sérieuses qui commencent. Attention! Attention, attention! Oh, ça le tue même pas! Je suis pas content! Du coup, Sapin il est à perpète!
pas si c'est une très bonne idée de laisser Mizu à la filoche comme ça, mais bon. Allez, ça attaque Mizu à l'infini. Ah non, c'est Mister MV qui s'est pris un petit coco sur la tête. Très bien. Oh là là, Monsieur Sapin. Bon, et Mizu. Va falloir soigner quelqu'un d'autre, je pense, au prochain tour. Ouais, sûrement Mizu. Oh, quoique non, c'est peut-être Mister MV. Hein, que... Oh, feu rouge. On a ça, Stun Ken Bogard. On n'est pas content. Donc, ce Mister MV qui achève que dalle. Feu vert sur Mizu. Esquive Mizu. Ah merde. Elle est dans une mauvaise posture là, la pauvre Mizu. Je crains pour sa vie. Je crains grandement pour sa vie. Je crains tellement pour sa vie qu'on va la mettre un peu plus loin. Tellement loin ses ennemis. Mon dieu, foutez-moi la paix. Oh là, ça va attaquer Mister MV. C'est chaud. Bon, lui, on va l'achever. Mizu par là. Ok. On ne peut pas encore l'achever là. Il n'y a pas la note pour le. Pour dire qu'on peut le finir. Pour le moment, on va continuer à lui bourrer la gueule. À mon avis, au prochain tour, ça devrait être bon. Toujours pas l'étoile qui pop. Putain, 7 tours pour avoir un nouveau heal. C'est la merde. Hein. Ouais, du coup, on va les éloigner un peu. J'espère qu'il ne va pas buter ni Mister MV ni Mizu. Oh là là. Ouh mon dieu! On est tellement en zéro de vital. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Ça pue tellement. Très mal cette histoire. En fait, il faudrait que j'utilise plus d'attaques en team pour soigner les persos. Oh merde. Un acteur est tombé, du coup on a une perte d'audience. On va essayer de les achever. Hein. Pas le choix, il faut y aller. Une attaque en équipe.
C'est nul. Ah, ça sent la merde. On va tellement crever. Enfin, les ennemis qui pop à l'infini. En plus, il se TP à perpète, mon dieu. Mon dieu. Ça risque d'être mort. On va peut-être devoir recommencer le combat. Katie vient de mourir. Mizu aussi. Il reste plus que Sapin. Le dernier rempart de l'humanité, Monsieur Sapin. Le sauveur. Monsieur Sapin va-t-il réussir à s'en sortir? Ça semble être une solution inextricable pour Monsieur Sapin. Non, c'est la mort. Les fans ne sont pas contents. Bon. Vous savez quoi? On va directement essayer de casser la gueule au boss sans se prendre la tête à vouloir taper à tout prix des ennemis. En fait, ouais, il faut à tout prix utiliser le plus souvent possible la compétence de travail en équipe pour se régénérer comme ça. Ouais, feu rouge dès le début, il stun Monsieur Sapin, pas sympa. Hein. Ce heal le plus souvent possible. Le secret, c'est le pouvoir de l'amitié. Bah ouais. Ah merde! D'accord, on perd de l'audience parce qu'on a utilisé un finish move alors que l'ennemi n'allait pas mourir sur cette attaque-là. Ah oui! Ah, c'est encore plus fourbe que ça en a l'air, le jeu. Attention! Ah ouais, ouais, ouais. Il est pas gratos hein, le jeu. Hein. Donc là, on va tenter une triple attaque. Ok. Oh, ce dodge. Je suis pas content. Ok. Il est tellement charismatique, c'est clair, le boss. Son putain de cône de sécurité Sama.
bisou. On va la mettre là pour soigner. Voilà, ça se passe mieux comme ça. Ça se passe beaucoup mieux. On va peut-être même réussir les deux objectifs. Ok, alors. Allez, Ken Bogard, cette fois, loupe pas. Bien, bien verdier. C'est bon, on a buté 6 ennemis. On va se mettre là pour soigner Sapin. Il manquait encore un peu de vie. Ah mon dieu, il a stun Mister MV. Salaud! Ça marche pas de ce côté-là. On va y arriver, on va y arriver. En plus, il s'est mis un endroit bien pratique pour qu'on puisse lui casser la gueule. On reste combien de vie? 420. Ok. Donc là, au prochain tour, on pourra l'achever. On va rester dans les parages. On va se mettre de sorte à pouvoir se faire soigner tranquillement par Mizu. Et au prochain tour, il se fait démonter. S'il se TP pas trop loin, bien entendu. Oh bah c'est bon, il reste exactement au même endroit. Cette fois, c'est la fin. C'est la fin des haricots pour toi, mon petit père. Allez, c'est parti. Parfait, du coup on a le maximum d'audience possible, on est monté aux 4000. La victoire en fanfare. Même si bon, on a eu un game over, c'est dommage, mais bon. Je me suis fait casser la gueule deux fois dans le même épisode. Pas cool du tout. Le méchant qui s'excuse, désolé pour t'avoir mis ce coup de coude dans le feu de l'action. C'est pas grave, tu ne peux pas me battre avec ce genre de truc. Je reviendrai plus fort et plus gros. Et plus grand plutôt. Hein, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Mister 2? Vous ne pouvez pas me battre. Ah! Le second souffle! Tremblez mortel devant... devant ma lumière qui va vous brûler. Oui, carrément. Ah ça y est, ça a activé le Mecha Power. Bonsoir Xenocross, il s'agit de Chromaki, tactical RPG avec du Sentai, genre Power Ranger et compagnie, qui vient de sortir aujourd'hui sur Steam. Et c'est marrant, c'est très marrant. Allez, on va enfin voir notre mecha. Oh mon dieu! Oh oui! Oh c'est magnifique! Ah ce mecha! Il est à combien? Il est à 15€. Il est à 15€. On a le choix entre l'attaque et la défense. Bah allons-y, cassons-lui la gueule. Voilà! Voilà!
Bam! Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout? Il y a un truc à faire là, non? On voit le cockpit, c'est tout. C'est cool, on fait des wombos. Ah, on a loupé la dernière attaque. Ok. Clique pour se défendre avec le bon timing. Pas de soucis. Oh, il y a eu un petit lag là. Bon. On peut activer notre skill spécial. Une compétence spéciale. Ah, l'épée. Ah bah oui, le grand classique. Mais des dragons en cross-up. Ah oui, on... ok. 5 tours pour pouvoir recharger son attaque spéciale. On aurait peut-être dû l'utiliser en grand final. Bon, tant pis. Par contre, on n'a pas pu renommer le robot, et ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ah, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais... comme on a équipé un autre casque à Mister MV, son sprite a changé par rapport aux autres. Ah, donc, ouais, la tenue modifie les sprites des persos. C'est pété. Nouvelle technique stylée pour le prochain combat. Voilà, donc on a fini notre première saison. Ah, donc ça parle du message qu'on a reçu auprès du précédent employeur, là, donc on veut aller au procès. Ah, Mister MV est d'accord avec Monsieur Sapin. Ah, des bonnes nouvelles, là. On a une bonne fanbase et on a une communauté grandissante grâce à nos efforts. Ouais, maintenant il faut se concentrer pour avoir encore plus d'audience. Et il nous faut de nouveaux développements scénaristiques autour de Cerebro pour la prochaine saison. C'est la fête pour la Chroma Squad, mais tout n'est pas nécessairement rose. Il va falloir faire attention. Ok, donc du loot. Des boîtes en carton, trop bien. Allez, la thune, la thune, la thune. Oh là là, mon dieu, tellement de thunes. Ah, c'est bon, ça. Mecha Fight, yeah. Série était cool, mais on peut faire mieux la prochaine fois. Et un nouveau contrat, donc, de 2000$. Donc on doit faire une saison de 6 épisodes. Et là, attention, si notre fanbase tombe en dessous de 10, notre contrat est rompu. Bon, ça va, on a 323 fans, donc tout devrait bien se passer. Ah! Nouvelles options, le mecha. Ah, donc on a des pièces d'équipement qu'on peut crafter.
Très bien. Testons. Qu'est-ce que ça a changé? J'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. Bon, soit. Et on ne peut pas le renommer, en tout cas. Je suis tristesse. Ah, on a un mail. Vous n'êtes pas seul. Cher manager de Gaming Live, votre lumière éblouissante dans la nuit obscure des mensonges du gouvernement et de la désinformation. Oui, ben c'est bien. Vous battez pour une bonne cause. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Ouais, d'accord, il veut qu'on se paye ses services pour qu'on ait un traitement plus réaliste de la culture alien. Mais les aliens ne sont pas réels, gros con. On va te faire voir, je paye pas pour ça. Ok. Et il est où Bégito? Bah ouais, c'est vrai, on n'a pas trouvé de place pour Bégito. Désolé. Ah, on a de nouveaux objets qui sont arrivés dans la boutique. Ça a coûté du pognon. Oh mon dieu. Ah, on a des arcs, des lances, plus de nouvelles possibilités pour setup notre équipe, pour la personnaliser encore plus. Ça, c'est cool. Mais du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait un peu plus de 2 heures de stream. Je pense que c'est un bon premier aperçu du jeu. Et de toute manière, j'ai pas l'intention d'aller plus loin dans cet aperçu. Parce que là, c'était juste une découverte ensemble. Et puis après, ben, si vous êtes motivé pour l'acheter, ben, vous verrez la suite vous-même. Voilà, les prochains streams, ce sera pas sur Chroma Squad. Je retournerai sur Super Robot Tyson MX, comme je l'avais dit. Et là, c'était un petit stream découverte à part. Parce que le jeu, il vaut le coup, hein. En tout cas, il a l'air vraiment sympathique. Le début est bien fandart. Ce castor, quoi, je m'en remets pas. Il est vraiment trop stylé, le castor. Après avoir la durée de vie, j'espère que le jeu n'est pas trop court. Qu'il a une bonne durée de vie. Bref, à voir sur la longueur. Mais en tout cas, le concept marche bien. Les mécaniques de jeu sont intéressantes. Donc ça... C'est une bonne pioche. Ça a l'air d'être une bonne pioche. T'as vu, quand tu réponds à un mail, ils te re-répondent après. Ah merde, j'ai pas fait attention. Du coup. Ah oui, ok. Nous vous contrôlons déjà. Ah merde, c'est trop tard. Ah bon, on s'en fout. Le mec qui a engueulé Mister MV. Ah, désolé pour... Désolé, c'est cool, mec. Bonne chance pour ton... Tes trucs de geek. Ouais, bon, on s'en fout. Bon, bref, ok. On s'en fout des réponses. Bon, donc oui, hein, désolé. Si je vous rends triste, mais on va s'arrêter donc là. Oh, ce chat! Oh mon dieu, ce chat! On dirait qu'il a un sushi sur le dos. Très bien. En fait, c'était un sushi à pâte. Ah, mais il revient! Mon dieu! On peut pas cliquer dessus, ça fait rien. Ok, bon, bref. Très bien. Bon, bah, des bisous moustachu à toutes et à tous. De toute manière, je pense que vous reverrez rapidement Chroma Squad sur un stream d'indéfinitivement ou chez... Atomium sur Marginal Gamer à un moment ou à un autre. Ça fait pas un pli. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis à la prochaine. Bah en fait à la prochaine, c'est-à-dire demain, pour Level Up Retro Leader Price Edition sur un jeu Saturn du swag absolu. Vous verrez bien demain.